Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors il va y avoir un mini haul, un tout petit comme ça Action, et un tout petit comme ça Cultura, et d'abord une carte que j'ai reçue aujourd'hui, voilà, qui m'a fait très plaisir, donc qui me vient de Véronique, qui est de la Belgique. Alors qui m'a envoyé une carte pour mon futur mariage, donc ça m'a fait, j'étais très heureuse de la recevoir. Alors d'abord dans une enveloppe comme ceci, elle m'a mis un grand tag comme ça, donc je pense que c'est les tags Action. Ceux-là je ne les connais pas, mais ils sont juste magnifiques, je les aime beaucoup, première fois que je les vois. Là, comme je n'ai plus beaucoup Action en ce moment, c'est vrai que je ne suis plus très au courant des actualités en ce moment, de ce qui se passe chez Action. Donc elle m'a mis sur ce tag, bonjour Edith, juste une petite carte qui j'espère te plaira pour te souhaiter tous mes voeux de bonheur à toi et à l'amour de ta vie. Et je fais un gros bisou à mon assistante préférée. Gros bisou Véronique. Écoute Véronique, merci beaucoup déjà. Et elle m'a fait une petite carte, une petite créa. Voilà. Alors, j'aime beaucoup. Alors, sur le thème du mariage, bien sûr. Alors, je vous montre. Regardez. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Parce que, bon, je suis à mon atelier. Donc, on est en lumière artificielle. Avec de l'organza. Elle a fait une petite robe de mariée. Voilà. Et à côté, elle a fait un petit costume de mariée. C'est juste superbe, avec des petites roses en papier, des petits cœurs en plâtre. Là, une petite colombe. Et il y a des petits strass en cœur. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoute Véronique, merci beaucoup pour cette jolie attention. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Je m'y attendais pas, hein, de toute façon. Je vais la garder très précieusement. Et d'ailleurs, je vais remarquer ton nom derrière, comme ça, pour ne pas l'oublier. Et comme j'avais dit, hein, pour les personnes qui vont m'envoyer des petites cartes ou des petites choses pour notre mariage, je vais garder tout précieusement. Je vais faire un album spécial pour ça. Et donc, elle ira dans cet album pour l'album à souvenir des copines. Donc, merci beaucoup encore, Véronique, pour cette jolie carte et le petit mot sur le tag. Merci beaucoup. Donc, en attendant, je vais bien la remballer dans la feuille. Pour pas l'abîmer. Donc encore un grand merci. Alors donc je disais deux mini hauls. Bon, vous savez qu'en ce moment je fais plus de haul parce que pour l'instant la priorité est au mariage, mais bon, je suis allée à Action, on est allé à Action cette semaine, je ne sais plus pourquoi, si, pour des choses pour le mariage. Et puis j'ai, comme j'avais vu sur des vidéos, des petites choses, donc j'ai vu qu'il y en avait, mais alors il n'y a rien, il y avait presque rien à Action de toute façon. Là j'avais été à celui de Wattini, voilà. Bon, Wattini, c'est vrai qu'il n'y a jamais grand chose, hein. Donc j'ai trouvé des paper blocks avec du foil, donc celui avec les émoticônes. Donc celui-là, donc, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, j'avais même pas vu celui-là dans les vidéos. Donc je vais vous montrer, comme ça si vous connaissez pas. Alors, je sais pas combien il y a, il y a deux feuilles de chaque. Donc, voilà, et c'est tout brillant. Donc celui-là avec des cactus. Celui-là avec des singes. Bon, il faut arriver à les replacer, hein, les singes. Là, les petits émoticônes, alors celui-là est super brillant. Là, les émoticônes, alors il y a des tristes, il y a des rigolos, il y en a qui font des bisous en cœur. Alors celui-là,
Je vais vraiment avoir du mal à le replacer, même sur une carte. Les crottes. Alors, celui-là, je n'avais pas vu. celui-là, je ne sais vraiment pas ce que je vais en faire. Les crottes caca, ouais. Celui-là, je ne crois pas m'en servir parce que je ne sais pas du tout. Ça peut être mal pris si la personne qui le reçoit connaît la signification de cet émoticône. Je ne pense pas m'en servir. Vous, qu'est-ce que vous en feriez? C'est vrai que celui-là, il me plaît pas. Alors là, c'est déjà mieux, c'est des fruits. Voilà, des fraises, des pastèques. Après, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Là, des émoticônes avec des lunettes, des rigolos. Oh, des licornes. Des licornes. Super. Les licornes. Il faudrait que je regarde si c'est à la taille. Non, ce ne sera pas la taille de mes planeurs. C'est dommage. Parce que ça, faire les intercalaires de planeurs avec les licornes, ce serait cool. Mais là, non. Je pense pas que ça ferait la taille. Et des yeux. Voilà. Ouais, non, je crois que ce serait plus petit que mes planeurs. Bon, dommage. Donc j'ai pris celui-là. Je vous remontre la couverture. On ne me demandait pas les prix. Le ticket a disparu. Mais bon, c'est jamais très cher, vous le savez. Alors, un autre sur les émoticônes. Voilà. Donc celui-là est coloré. Donc, il est on sent en relief. Oh, la couverture est craquée, mais bon, tant pis, on s'en fout, hein. Donc il y en a toujours deux de chaque. Celui-là, il a vécu dans le magasin. Ah, il y a même un peu, il y a une page qui est un peu craquée. Bon. Ouais, il a bien vécu celui-là. Alors, les petits émoticônes comme ça. Les licornes. Ça, j'adore les licornes. Je sais pas, il me paraît bizarre celui-là. Il me paraît bien passé. Les couleurs me. Ah ouais. Regardez. Je sais pas, mais je sais pas si vous l'avez eu. Est-ce que les couleurs sont aussi moches? Regardez ici. Il y a des traces. Où est-ce qu'il y en a encore là? Je n'ai pas vu. Il est tout dégueu. Oh mince. Ah ouais, il est tout moche ce truc. Est-ce que vous, sur les vôtres, ça fait pareil si vous les avez achetés? Regardez. Là, regardez en bas, c'est tout passé. Ah, j'ai pas vu ça. Bah, il y a l'air parce que ça fait. Regarde le deuxième. Bah ouais, ça doit être comme ça. Et ben c'est moche. Bah je suis déçue, c'est moche. Ouais, ça fait super moche parce qu'on dirait que c'est usé. On a gratté la couleur. Je sais pas, non, mais. Ouais, bah non, c'est super moche. Je sais pas ce que. Si vous l'avez eu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, je suis super déçue. Ouais, là, les quartiers de lune. Bah non, j'aime pas du tout. Mince, j'aime pas du tout, du tout. Ah, regardez. Regardez ce que ça fait. Je sais pas. Bon, du coup, ouais, c'est fait exprès. Mais non, j'aime pas tous ces petits défauts là de couleur. Non, j'aime pas. Ça fait user. Ça fait. Non, ben, j'aime pas. Mince, j'avais pas vu. Sinon, je l'aurais pas pris si c'était comme. Oui, même les cœurs, regardez, ça fait pareil. Voilà. Ah, voyez, regardez là. Vous voyez, ça fait tout user. Ah non, il est super moche celui-là. Oh, pourquoi j'ai pris ça? Mais pourquoi j'ai pris ça? Et là, les similaires, ils ont une tronche, ils sont tout verts. Regardez.
Non, mais c'est moche. Je sais pas. Moi, non, j'aime pas. Alors là, j'aime pas du tout. Alors là, une tournesol. Bah, en fin de compte, du coup, je l'aime pas du tout celui-là. Moi, j'aime même en rentrant. Quand je suis. Ça fait quoi, une semaine que je les ai. J'ai même pas eu le temps de les regarder. Donc, je ne peux même plus les ramener. Parce que, ben. Non, c'est. Non, bah, je les aime pas. Voilà. Du coup, je ne les aime pas. C'est très, très moche. Oh, alors ça. Ça, je vous assure, c'est le smiley, enfin, l'émoticône que je déteste. Je ne peux pas. J'ai horreur. Il est rigolo, peut-être. Hein, mais je sais pas. Je n'aime pas cet émoticône. Voilà. Je vois pas le truc. Pourtant, j'ai de l'humour. Hein. Je vous assure, j'ai de l'humour. Mais je vois pas l'intérêt de mettre un émoticône en forme de crotte. Non. Je vois pas. Bon, là, je suis super déçue. Non, ça ne me plaît pas. Bon. Bah, celui-là. Bon, s'il plaît à quelqu'un, hein, vous me le dites. Je vous l'envoie. Parce que là, je ne l'aime pas du tout. Moche, 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 moche. Enfin, pour moi. Peut-être qu'à vous, il va vous plaire. Mais moi, je l'aime pas de la première feuille à la dernière. Voilà. Bon, ça, c'est dit. alors, ensuite. Alors là, j'en ai trouvé qu'un. C'est dommage parce que je voudrais bien voir déjà toute la collection. Puis en avoir plusieurs de la collection. Donc, j'espère en trouver d'autres. Parce que vous savez que j'aime bien travailler mes cartes avec ce genre de papier. Voilà. Les paper blocks comme ça. Alors, attendez. Il y a un petit scotch. Donc, on va enlever le petit scotch pour que je vous montre. Parce que du coup, j'ai même pas vu comment il était à l'intérieur. Peut-être que je les aime pas non plus. Non, si, ça, je pense que j'aime. Alors, ah oui, ma poubelle n'est pas là. Alors, j'ai commencé à ranger mon atelier. Alors, là, vous voyez, ben là, attendez, je suis où? Ici. Mince, je sais même plus. Là, vous voyez, là, déjà, c'est commencé à ranger. Derrière moi aussi, ma table, j'ai rangé. Il faut, parce que là, on ne s'y retrouvait plus. Ben, le problème, c'est que j'ai, bon, mon atelier. Dans mon atelier, je stocke aussi des choses bah, pour la maison. On stocke là derrière moi, il y a un vieux frigo qui n'a plus son moteur qu'on a gardé pour mettre tous les outils qu'on a besoin pour la maison. On stocke bah, des choses que l'on garde tous hein, dans une maison. Enfin, alors moi c'est un appartement, mais on est tous pareils, on garde des choses. Donc je stocke. J'ai des boîtes avec des pots de peinture, j'ai un vélo d'appartement. Alors si j'avais récupéré mon vélo d'appartement que j'avais laissé chez une mamie à un moment, et puis j'étais récupérée en me disant je vais refaire du vélo d'appartement. Ouais. J'en ai refait au début, une fois, deux fois, trois fois. Et le vélo est là. Alors si ça intéresse quelqu'un qui habite dans mon coin. C'est pareil, je passe l'annonce. Là, je peux pas vous le montrer. Mais bon, si vous êtes sur mon Facebook, dites-le moi. Je vous enverrai la photo par message privé. Je vous le vends 20 euros. Et encore, voilà, mais vous venez le chercher. Hein. Je ne vais pas le livrer. Ça va me débarrasser. Et puis, bah, j'ai en plus des choses que je stocke pour le mariage. Donc c'est compliqué de ranger mon atelier en ce moment, mais bon ce matin j'ai réussi à peu près à ranger, enfin à pousser et à ranger, mais c'est encore bien 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 comment dirait Dashnor, bien emblavé. Voilà. Bon, allez. On en était où? On en était là, au paper club bloc. Alors, donc j'ai enlevé le scotch, donc je vous le montre. Oh, il y a déjà des nounous dessus. Alors c'est des nounous de mon bloc mousse. Bon, alors il y a celui-là. Bon, celui-là j'aime bien et pas trop parce qu'il était. Rappelez-vous, celui-là est déjà dans les blocs mix and media, mais ça se, faut pas trop passer les mains dessus parce que le pailleté s'enlève. Bon,
Il y en a un, hein, mais bon, pas trop. Enfin, il y en a deux. Trois. Bon, il y en a trois. Ah, celui-là, j'adore. Oh, ça, j'adore. Alors là, ça, ils peuvent m'en mettre 10 dans le bloc. Oh, s'ils pouvaient faire un bloc complet de ça, j'adore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là, il y en a trois, je suis super contente. Et en plus, le doré, j'adore. Oh, celui-là est beau aussi. Il brille pas, mais il est beau. Alors, j'essaie de vous montrer le relief. Je sais pas si vous le voyez. Mais il est joli aussi. Il ne brille pas, mais il est beau. Ah, alors celui-là, regardez. Regardez les couleurs à la caméra. En holographique. Voilà. Oh, ça aussi. Ça, je tuerais pour avoir un bloc entier de ça. Ah ouais, ça c'est trop trop beau. Ça j'adore, j'adore, j'adore. Pourquoi ils sortent pas des blocs rien qu'avec ça et l'autre? Oh, ah ouais. Bon, ça c'est vert caca. Ou jaune caca. Mais bon. On trouvera bien le placer quelque part. Ça aussi. Moi je suis comme les pies. Vous savez les pies, les oiseaux là, les gros oiseaux noirs et blancs. J'aime tout ce qui brille. Les pies adorent ce qui brille. Ben, je suis comme elles. Je suis comme les pies. J'aime tout ce qui brille. Alors là, regardez, super beau. Bon, ben c'est tout. C'est fini. Bon, il y a trois brillants. Donc il y en a trois qui me plaisent dedans. Mais bon. Donc ça, il faut que j'en retrouve. Et je sais qu'il y a d'autres couleurs, mais je crois qu'il y a l'argenté. Et après je sais plus, mais bon j'ai trouvé, mais il était tout seul, tout seul, tout seul, il n'y avait même pas ses petits copains avec, même pas d'autres couleurs, il était tout seul, donc j'ai sauté dessus. Alors j'étais avec mon futur, il me regarde, il me dit, t'en as pas assez? Ah, je dis oui, mais celui-là on l'a pas, c'est un nouveau, donc il fallait que je le prenne. Alors celui-là, les tampons clear, alors vous l'aviez vu, c'est celui que j'ai fait, alors donc celui-là je l'avais acheté bien, bien avant. C'est le tampon clear que j'avais fait gagner à mon dernier concours. Donc bien sûr, je m'en suis pris un pour moi. Avec le Happy Birthday to You. Le petit feu d'artifice, les petits ballons. Voilà. Donc ça, pour mes cartes, ça va être très très bien. Donc voilà. Ça, j'avais vu. Alors j'en ai pris que deux paquets. Je crois qu'il existe plusieurs couleurs. Mais j'ai pris que deux paquets parce que je vais essayer avant. J'ai pas entendu beaucoup de retours pour l'instant là-dessus. Donc je vais d'abord essayer ça, les transferts folles en A5, donc il n'y a que deux feuilles dedans. Donc on écrit, vous voyez, on écrit sur la feuille directement sur une carte et le foil se transfère directement sur la carte. Donc ça, j'en ai pris que deux paquets. Donc j'ai pris celui-là, le rose. Et le cuivré, parce que là bon, je vais voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Feuille de transfert, gna gna gna. Appliquer la feuille de transfert avec le côté mat argenté vers le bas sur les parties collantes. Utiliser un tissu doux pour frotter sur la feuille afin de transférer le motif sur la surface ou poser un morceau de plastique sur la feuille pour éviter de l'endommager, puis retirer délicatement la feuille transfert à utiliser avec de la colle en stylo ou de l'adhésif double face découpé dans la forme. Ouais, bon, j'ai pas bien capté ce qu'il voulait dire, mais bon, je vais regarder. Ouais, bon, je ferai les essais, hein, et puis je verrai. Oui, ah oui, il travaille sur l'envers. Bon, enfin, je sais rien. Ça, je regarderai, puis je regarderai les filles qui ont fait des vidéos là-dessus, parce que j'ai pas vu. Mais bon, ça, je ferai un essai. Et un dernier petit bloc. Donc, le vintage, ça, vous savez que j'aime le vintage. Donc, ça, c'est pareil, j'avais acheté au moment où j'ai acheté pour le concours. Hein, c'était le concours Saint-Valentin, vous vous rappelez. Donc, j'ai pas pris le même que pour les filles. Donc, j'avais pris celui-là. Bon, il me paraissait bien à l'époque. Bon, il me paraît toujours bien.
le Vintage Travel. Parce que, par contre, ce que j'aime pas, décidément, ils se barrent tous les feuilles. Le seul truc que je reproche à les tout petits blocs comme ça, les 15-15, c'est que les feuilles sont très très fines. Donc, pour mettre sur des cartes ou quoi, bon, bah, il faut. On peut pas les utiliser tout seul, je veux dire. Donc, enfin, voilà. Donc, là, c'est une carte. Là, je crois qu'il y en a 4, 5, 6, non, 5 de chaque. Mais sinon, il est très joli quand même. Voilà, bon, celui-là peut-être un peu moins. Celui-là. J'en ai plein de blocs comme ça et je les utilise presque jamais. Forêt, c'est joli. Je vous avais dit dans une autre vidéo que je devais faire un tri dans mon atelier justement pour revendre un peu les choses que j'utilise pas. J'ai pas encore eu le temps. Mais ça viendra. Voilà. Elle est jolie, en pirate. Ça c'est quoi? Ah, des appareils photo, des lettres. Ouais. Bon. Celui-là. Celui-ci. Et je crois que c'est le dernier. Hein. Oui, voilà. Et donc voilà. Et puis bon, il y a ces étiquettes. Voilà. Donc pour action, c'est tout. Voyez. Puis bon, je vous dis, j'avais acheté des choses pour le mariage. Ah! Pour le mariage, mais bon, ça c'est déjà rangé, donc je ne vais pas vous les sortir. Alors, Acultura. Alors, je suis en panne de bâton de colle. Enfin, il m'en reste quoi? Deux? Ouais, deux ou trois. Donc, j'ai racheté les bâtons de colle Acultura. Ils sont fous sur le prix. Ils sont maboules, Acultura. 10 bâtons de colle, comme ça. Vous voyez, il est tout petit. Donc, bon, en plus, je suis folle aussi parce que j'en ai pris deux paquets. 2,99 € pour ça. Là, je sais pas pourquoi je les ai achetés. Mais bon, si, parce que j'en ai plus. Mais 2,99 € pour ça. Ils sont fous. Je trouve ça extrêmement cher. Alors, dites-moi où vous achetez les petits comme ça. Pas cher. En gros paquet, tant qu'à faire. Parce que là, 2,99 € pour 10 trucs. En plus, moi, ça me dure. Un bâton, il me dure quoi? 1 minute? 2 minutes? Même pas. Surtout si je fais un arbre à rose. Hop, voilà, plus de bâton. J'appuie 4 fois sur le bâton, il n'y en a plus. Hein. Donc là, il y a quoi? 6 euros. Youpi. Bon. Ensuite. Alors, j'ai pris ça pour, je pense, bon, commencer à décorer mon album de mariage, mais je verrai par rapport aux couleurs. Mais j'ai trouvé joli. Ils avaient sorti ça pour la Saint-Valentin. Donc, c'est Toga qui a sorti cette collection-là. Donc là, voilà. Donc là, c'est des petits embellissements en métal, en perles, en résine. Il y a des trucs comme ça là comment on appelle ça là des oh je sais plus bon enfin vous savez ce que je veux dire hein. Voilà donc il y a des petites clés en métal avec des cœurs tout ça je trouve super mignon donc j'ai pris ça et j'ai pris les die cut donc toujours Toga. Je vais vous montrer. Je vais pas l'ouvrir maintenant, mais je vous montre derrière. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc les die cut, hein, vous savez, c'est en carton. Donc il y en a 46 environ dedans. Pas environ, il y en a 46 dedans. Donc il y a un je t'aime, il y a un coup de foudre, il y a des love, il y a toi et moi, il y a des XOXO.
Mad Why Love, Forever. Donc tout ça ira très bien dans mon album de mariage. Voilà. Là, normalement, c'était Saint-Valentin, donc c'est le 14 février. Moi, mon mariage, c'est 14 avril, donc je peux très bien me servir de cette carte-là. Regardez, le 14, justement, donc je peux faire quelque chose en entourant le 14, et donc c'est très très bien. Voilà. Ensuite, donc ça, je sais plus les prix, hein, j'ai pas le ticket non plus, mais c'est dans les 4 euros, je crois. Alors, j'ai repris du papier pollen, voilà, donc du bleu, bien sûr, qui suit avec mes faire-part de mariage, c'est le même bleu pour mon album. Donc là, c'est du 210 grammes. Donc ce sera le papier qui sera sur mes fonds de page. Je n'ai pas encore trouvé le papier déco. Hein. J'ai pour l'instant, c'est mes fonds de page, ça. Donc le pollen, 210 grammes. Donc c'est la couleur bleu lavande. Voilà. Donc en A4, hein, bien sûr. Donc il y a 25 feuilles. Et ça, c'est dans les 7 euros. 7,90 € je crois, ou 99, enfin à peu près, c'est moins de 8 euros. Voilà. Donc ça, c'est pour mes fonds de page pour l'album de mariage. Et pour me faire mon arête, et peut-être pour m'en servir à d'autres endroits de l'album. Vous savez que j'aime beaucoup ces papiers-là. Donc c'est les pareils, hein, c'est des papiers de toga adhésif. Et là, regardez, oui, c'est du blanc. Donc pour le thème du mariage, ben c'était super. Donc c'est des papiers pailletés, donc ils sont adhésifs. Là, on enlève la pellicule, ils sont adhésifs. Et donc c'est des 30 sur 30, bien sûr, et 200 grammes. Voilà le nom de la feuille. Donc comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a plusieurs couleurs, hein, sur ce papier. Donc là, j'en ai pris deux feuilles au cas où je me raterais. Mais bon, ce sont, je répète encore une fois, à chaque fois que je montre ces feuilles, je le dis tout le temps, ce sont des feuilles qui coûtent quand même, donc vaut mieux pas se rater, qui coûtent cher pour ce que c'est. Elles font 2,59 €, là je me rappelle du prix, enfin, ceux-là je me souviens toujours du prix. Donc vaut mieux éviter de se rater à la coupe, parce que là, vu le prix, c'est ballot. Bon, ben, vous voyez, c'était vraiment des mini-hauls. Ça c'était Cultura. Avant, c'était Action, et donc il n'y a rien d'autre, parce que bon, bah, je ne peux rien acheter d'autre pour l'instant, hein. C'est mariage, 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 mariage. Et là maintenant, normalement, on a tout acheté, il nous reste plus qu'à acheter, bah, au mois d'avril, ce qui est le frais, donc le gâteau. Oui, il ne me reste plus que bah, commander les gâteaux, parce que je n'ai pas envie de les faire, il y aura trop de boulot. Malgré que je peux les faire, mais j'ai beaucoup trop de choses à faire. Le pain surprise, parce que ça c'est pareil, c'est trop long à faire, donc moi je vais faire le reste. Donc, le reste ce sera déjà bien. Cake, pizza, quiche, les toasts, plein, toutes ces choses-là, c'est moi qui vais les faire avec mes petites mains. Donc j'en aurai déjà pas mal à faire, et donc toutes ces choses là seront à acheter au mois d'avril. Voilà, les boissons sont déjà là, tout ce qui peut me servir en conserve ou quoi, bah, j'ai déjà tout. La déco, j'ai les vêtements, on a les décos, on les a, celles que je devais faire sont faites. Donc voilà, les faire-part sont faits, je n'ai plus qu'à les envoyer. J'ai commencé à en envoyer déjà, donc ouais, chouette. À fond dedans. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous à tous. Alors là, on est week-end. Donc, je ne sais pas si vous aurez une vidéo. Vous savez que le week-end, c'est rare que je fais des vidéos. Lundi, je ne pense pas que je vous ferai des vidéos. Parce que je vais chez le dentiste au matin, et là ça va être l'horreur. parce qu'elle va m'enlever
les dents du haut, ce qui me reste comme dents du haut, donc ben, on m'enlève tout. Donc je serai peut-être un peu dans le potage et puis j'aurai peut-être du mal à parler. Voilà, j'espérerai ma bouche un peu endormie, même beaucoup je pense. Puisque là elle va m'enlever vraiment tout, j'aurai plus de dents en haut. Voilà, je vous rassure, hein, pour le mariage j'aurai un appareil, hein, heureusement. Et donc lundi je ne ferai pas de vidéo, et si je vais mieux j'en ferai peut-être mardi. Voilà, mais bon, je préfère vous prévenir, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo. Voilà. Allez, je vous fais tous de gros bisous. Je dis encore un grand merci à Véronique pour ta carte. Ça m'a fait très plaisir. Et je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous, bisous.